La problématique des gares SNCF était l'accueil des personnes à mobilité réduite dans les gares. Aujourd'hui, quand il y a une personne qui vient en fauteuil roulant, il y a un agent SNCF qui arrive, qui va s'occuper de cette personne, et d'autres agents vont s'occuper des différents bagages de cette personne à mobilité réduite. Et donc on a proposé un chariot autonome, suiveur de l'agent SNCF, qui transporte les bagages, et ainsi l'agent SNCF peut se concentrer sur la personne à mobilité réduite en poussant son fauteuil roulant. Alors le chariot est intelligent parce qu'il va permettre de suivre la personne. La personne ne porte aucun badge, aucun équipement sur soi. C'est une reconnaissance de forme, on reconnaît les jambes de la personne. Et derrière, il a également d'autres capteurs qui vont lui permettre de percevoir les obstacles autour. L'équipe qui s'occupe des personnes à mobilité réduite de la gare de l'Est va utiliser cet outil pendant un mois et va ensuite nous faire un retour d'expérience sur les points améliorés pour ensuite déployer le système à plus grande échelle.